Aujourd'hui, j'ai des gamins, je les ai entraînés, mais ils m'ont dit, mais nous, on s'en fout de l'amour du maillot. Nous, c'est notre contrat. Et l'agent, il te dit, ah, bah, dans un mois ou six mois, bah, on va partir parce qu'il va avoir une offre, parce qu'il va avoir une demande. Mais on va où? Mais où on protège nos joueurs? Quand est-ce qu'on va protéger, comme avant, nos joueurs, en disant, il y a des règles, le gamin, il doit faire... Nous, je me rappelle, à l'époque, c'était 10 matchs. C'était 10 rentrées en Ligue 1 avant de signer son contrat pro. Aujourd'hui, le gamin, il a 15 ans, il est pro. Mais pro, t'imagines? Il n'a même pas joué une fois en pro. Comment tu peux dire qu'il est pro? Ouais, mais on assure l'arrière. Le mec, il n'a pas envie de venir chez toi. Et ben, il va ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on a peur. C'est que nos jeunes, on leur dit non, tout, on leur dit oui à tout. Et on leur dit, ben, mais à un moment donné, il y a un respect. Il y a un respect à avoir. Je te fais confiance, mais à toi de me faire confiance aussi. Tu veux grandir, tu veux progresser, ben, je te fais progresser. Mais c'est ensemble qu'on fait le chemin, c'est pas... Ludovic, c'est pas... Ludo, est-ce que ça va... c'est ça qui me fait chier. Je vois. Est-ce que ça va être de pire en pire, selon toi? Ou oui. Est-ce que la force alors, des choses, on va revenir à des trucs peut-être un peu plus traditionnels, tels que tu en parles? Le Covid va nous faire du bien. À tous. On est arrivé, avant le Covid, à des sommes de transfert. Bon, peu importe, c'est que du transfert. Mais c'était que du business. Des joueurs qui valaient... tant mieux, je n'ai rien à voir. J'ai aucun problème d'argent. Tu sais que j'en parle librement. Et là-dessus, tout le monde, s'il peut gagner le loto, tant mieux. Et c'est tant mieux. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Sauf qu'un jour, aujourd'hui, on est monté sur des transferts à 50, 60, 80, 100... 120 millions. Alors, 120 millions, je veux bien que ce soit Ronaldo, Messi, mais le reste, comment tu fais pour acheter un joueur 50, 60 millions? Il a fait une année, il a fait. C'est compliqué. Comment tu veux juger que le mec, il veut dire, ouais, il y a une progression, il y a un truc, il y a un objectif, il y a des plans, il y a une carrière, mais il n'y a rien du tout.